tell you say today, see I said I can go into the délégation sur elle qui comprend 24 personnes ce soir. Nous te sentons également membre de notre communauté, même si tu es identifié à Drummondville, parce que ton père a travaillé à QIT Ferrissal et ton frère travaille toujours à QIT Ferrissal. Alors Marcel, tu n'appartiens pas seulement à Drum, tu appartiens aussi aux 24 personnes qui sont au sommet de Pesci et à toutes les populations du sommet de Pesci. Nous t'admirons, nous t'aimons et nous devons ta disponibilité exceptionnelle. Et puisque tu as parlé tout à l'heure de Viagra, je voulais te confier que j'ai fait le test et j'ai été très satisfait. J'ai été bandé pendant 3h20 minutes et j'avoue que 20 minutes de plus ça va pas faire. Ceci dit, j'aimerais quelques minutes pour dire à Jean Desrochers, de notre belle région de Sorel-Tracy, mais qui a rayonné dans le domaine du hockey de façon exceptionnelle, puisqu'il a été honoré au Panthéon des sports de Sorel, mais qui a aussi fait carrière, c'est peut-être ce fait qui nous rassemble ce soir comme les gens de Trois-Rivières et de peu partout qui l'ont côtoyé, au niveau du baseball de 46 à 57. D'abord, mon collège Saint-Laurent à Verdun, comme plusieurs d'entre vous, dans la Ligue junior de Montréal, en compagnie de Delors Saint-Laurent et de Don Marshall, où il était une des grandes vedettes. Il a même été invité au camp des Coyotes à Sunford, et là, il a côtoyé Léo Desrochers, Willie Mays, Bob Dawson, Carl Hubbard, et en 1950, il fait même le club Lenoir, je le dis en français, mais ça devrait être en anglais, Lenoir, en Caroline du Nord, au Calibre C. Et devant ses talents de lanceur, nous le voyons immédiatement l'année suivante en classe A, grâce à sa balle rapide. Puis, il hésite entre deux carrières. Les Yankees y ont une longue carrière, ou du moins un combat, mais il décide de retourner aux études où il termine ses études de vétérinaire. Et de 51 à 54 pendant ses études, il excelle dans la ligue semi-professionnelle des Laurentides que plusieurs connaissent. Rappelez-vous Claude Robert, Jacques Leclerc, Denis Bonheur, Louis, le père de Martin, et Slim Kowinski. Et on dit qu'il a déjà perdu, mais c'est une vérité, j'ai vérifié, un match 1-0 contre Saint-Jérôme, alors que Bob Boucher, qui fut 5 ans le lanceur des Yankees, avait réussi à ce moment-là une partie parfaite. Et lorsqu'il décide de revenir dans la belle région de Sorel, alors en 55, il joue dans la ligue semi-professionnelle, contre plusieurs d'entre nous. Et la légende urbaine raconte qu'un certain dimanche après-midi, il aurait lancé les deux parties du match 2 et aurait gagné 3 circuits. Je n'ai pas vérifié dans les journaux du coin. Mais je voudrais dire aussi que Jean a performé comme hockey star qu'on appelle récréatif. Dans le golf, le vélo, la course à pied, le ski de fond. Et, mais j'ajoute aussi qu'en plus d'être un sportif accompli, je voudrais souligner que derrière ce grand sportif dans la région Sorel-Tracy, il y avait un homme impliqué dans sa communauté. Toujours prêt à être présent pour soutenir une association, toujours prêt à initier un projet qui aiderait les jeunes ou un groupe en difficulté. J'ai côtoyé, et je côtoie toujours Jean, dans une vingtaine d'organismes communautaires de façon régulière. Jean, l'heure qu'on te donne ce soir, tu le mérites bien. En te faisant ce soir un homme de distinction par rapport à plusieurs autres, c'est un homme, un grand sportif accompli, mais un homme de dévouement et d'implication communautaire exceptionnelle. J'invite donc l'ambassadeur de Drummond au
peut-être que j'ai le don de nom de se rendre ici pour ce soir, je prends ma septième à te remettre un souvenir de cette belle soirée. Merci, ça se passe bien. Merci, bravo, Jean. Vraiment, merci. Merci de votre attention. Il voulait saluer tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'amis ici. Et moi, je pense qu'à chaque année, on devrait avoir une pensée pour ceux qui sont déjà partis, qui étaient ici l'année passée, l'année d'avant et tout ça. Mais il faudrait prier pour Mathieu parce qu'à l'heure actuelle, il est à l'hôpital. On lui a posé une plaque dans le bras gauche cette semaine. Son poignet gauche a de la difficulté à bouger. Il a les bras de la grosseur de mes cuisses, les jambes de la grosseur de mon poignet. Il en arrache vraiment notre poignet touché. Mais son moral est bon, puis il dit que si au pop, je vais être là l'année prochaine, mais de nous tous, c'est ma petite prière pour lui. Alors, Ronald est avec nous ce soir. J'espère que tout le monde est en santé. Vive l'habitant que tout le monde considère, il n'y a personne plus heureux sur terre. Quelle belle richesse, c'est qu'une bonne paire de bras. On est canadien, ou bien on l'est pas. La plupart du temps, il a grosse famille, et dans sa maison, la marmaille fourmille. Il faut trimer dur pour nourrir tout ça. On est canadiens, ou bien on est femmes. Sa femme et ses filles à l'honnête visage voient un peu au train s'occuper du ménage. Les travaux des champs, c'est pour ces grands gars. On est canadiens ou bien on n'est pas.